car la Moro est assurément au cœur de toutes les préoccupations. Sur les réseaux sociaux, ses actes de sorcellerie font couler beaucoup d'encre et ce malgré sa prise de parole lundi soir dans Touche pas à mon poste. La jolie blonde de 24 ans s'était alors défendue d'avoir souhaité du mal à ses amis des Marseillais en expliquant avoir été sous l'emprise de sa voyante pendant plusieurs années, laquelle l'a rackettée à hauteur de 1,2 million d'euros. Une ligne de défense qui n'aurait pas tellement convaincu ses camarades du petit écran. À lire aussi quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que cette affaire complexe commence à agacer une autre célébrité. À savoir Nabila Benatia. La brunette de 28 ans a partagé un message des plus intrigants sur Twitter mardi 9 mars 2021. Un message qui pourrait signer la fin de son amitié avec Maëva Guénam mais aussi avec Julien et Manon Tanti, qu'elle fréquente depuis leur arrivée à Dubaï. Aujourd'hui, un grand prix s'impose, a-t-elle écrit. Et à la question de savoir à quel genre de tri elle faisait référence, elle a répondu, d'amis ou de connaissances. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une rupture nette entre elle et les Marseillais. D'ailleurs, les commentaires allant dans ce sens ont fusé. Les abonnés de Nabila sont nombreux à lui avoir conseillé d'effectivement revoir son entourage. « Éloigne-toi de Tanti et de Maëva, elles vont te ramener que des problèmes, je l'ai toujours dit ça, qu'un jour ils vont la traîner dans la boue. Ne copine pas avec les Marseillais de Dubaï, ils sont pourris jusqu'à l'os. Évite de te mélanger à ces Marseillais, tu t'es refait une réputation et franchement tu t'affiches à traîner avec ces gens. » Tu as tellement évolué, ne te laisse pas éclabousser par leur scandale, peut-on lire entre autres. Let's block ADS. Why?